bien bonjour à tous les amis, c'est votre Jabbar. J'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi c'est Anthony Diacolé. Tenez-vous les amis, ça fait tellement longtemps que vous l'attendiez, Secret Neighbor, le jeu tiré du véritable jeu Hello Neighbor en multijoueur. Et aujourd'hui les amis, on va incarner tout simplement le voisin. Et je ne serai pas seul, je serai bien sûr accompagné de l'enfant, le terrible Overspace. Comment ça va la vie? Oh là là, tellement excité de jouer à ce jeu mythique. Oh là là, mais mec, la même, ça fait tellement de temps qu'on me demande d'essayer Secret Neighbor. Alors Secret Neighbor les amis, c'est tout simplement en fait la version multijoueur en fait de Hello Neighbor. Voilà, donc comme vous le voyez déjà, on peut voir mon petit personnage, voilà, à lunettes. Et du coup donc on se retrouve avec Overspace. On va se faire du 1v1 même si on peut être plusieurs, mais on a décidé de se la jouer un petit peu en véritable neighbor. C'est à dire quand vous jouez à Hello Neighbor, vous devez trouver le secret du voisin, mais vous êtes seul, hein. Vous êtes seul, mais là mon gars, c'est un truc de malade, c'est un truc de ouf les amis, je découvre le jeu en même temps que vous si vous le connaissez pas. C'est que il y a un tas de choix de personnages, c'est un truc de ouf. Que ce soit les joueurs, hein, les enfants hein, qui vont essayer de s'infiltrer pour trouver le secret du voisin. Nous avons du coup l'entasseur, hein, donc ossature lourde, passif l'entasseur, plus lourd qu'il n'y paraît. S'il est attrapé par le voisin, il ralentira son déplacement. Voilà, donc en gros ce sont des enfants qui ont tout simplement en fait des pouvoirs. Voilà. Exactement. Donc ils ont un tas de pouvoirs. On a aussi également donc la rebelle. Voilà, donc avec sa batte de baseball qui est plutôt pas mal. Il me semble qu'elle peut repousser voilà les objets volants, mais aussi également elle peut frapper le voisin en fait. Elle a une espèce d'ulti. Elle a une espèce d'ulti qu'elle peut charger à force de balancer les objets sur le voisin, et du coup en fait elle peut se débarrasser de. Tu sais, quand elle est attrapée, tu vois, par le voisin, elle peut se barrer. Hein, tout simplement. On a le détective, voilà, qui permet de relever en fait des clés aléatoires dans la maison. Ouais, c'est clairement Harry Potter. Hein. Franchement, Harry Potter, il a même une plaque de détective, mon gars. Attends, ça décode zéro. Hein, ça décode zéro. Ensuite, on a l'inventeur, ce qui me plaît bien, parce que lui peut carrément crafter, fabriquer les objets du jeu. Genre le fusil, des clés, des cartes magnétiques, enfin la totale. Ah ouais. Ensuite, on a la meneuse, donc qui accélère le déplacement de tous les enfants. Alors, clairement, si tu joues tout seul, c'est pas elle qu'il faut prendre. Tu vois, c'est clairement là. Parce qu'apparemment, en équipe, elle est ultra forte. Vraiment, elle motive les troupes et tout. Ensuite, on a la spécialiste du lance-pierre, donc l'éclaireuse, donc qui porte un lance-pierre. Ouais, qui permet de frapper le voisin et aussi gagner un bonus d'accélération. Et on a, regardez les amis, le voisin de Hello Neighbor. Il est là. Il est là. Oh là, le voisin se déguise et prend l'apparence de l'enfant le plus proche. Donc si tu as un enfant, vu que t'es tout seul, tu sauras très bien que c'est pas. D'ailleurs t'as vu, on peut avoir des skins hein. C'est abusé, en plus des pouvoirs. C'est que les pouvoirs. Hein. Ensuite, on a les pièges, le classique, hein, comme toi tu connais très bien, les pièges à l'eau qui te bloquent. Voilà. le mode berserk qui pour gagner en invulnérabilité. Wow. D'accord. Donc très bien. Donc ça c'est vraiment le voisin de base. On l'a en mode boucher mon gars. Oh, il fait tellement peur, stylé. Lui. Il fait flipper. Hein. Donc le voisin lance un crochet à viande qui tire les enfants et les objets vers le haut. Oh là là. Éclore. Le voisin peut voir les traces des enfants. Et avec son faux corbeau, crée un faux corbeau qui empêche les enfants de chercher les clés. Horrible. Ensuite on a le clown. Oh, c'est le voisin joker. Alors le voisin peut lancer des fumigènes. Voilà, donc qui bloque la vision, éblouit les enfants qui a échappé aux griffes du voisin. Et transforme le voisin en un objet ordinaire. Oh c'est ouf. Ça va être charisme. Il peut se transformer en carton. Mais c'est incroyable. Et bien sûr le nouveau voisin, le fantôme. Donc se transforme entre la forme fantôme et la forme physique. La forme fantôme peut voler, possède des capacités. Mais c'est un délire. Il subit pas de dégâts. Oh la non mais il prend pas de dégâts. Mais ça. Ah mais tu peux pas attraper les enfants. D'accord. Il y a un timer. Donc pour bien sûr trouver le secret du voisin. Donc en fait lui c'est vraiment celui qui va ralentir les enfants au maximum. Le fantôme l'entrave dans un certain périmètre la diffusion lumineuse des sources de lumière allumées et peut les éteindre. Ah ouais. Et le portail, le fantôme peut se glisser à travers les murs et les obstacles. Quand ils sont pas trop épais. C'est ouf. Alors moi je pense que je vais prendre le clown parce que il est méga stylé. J'avoue que se transformer en objet, ça a l'air trop drôle. Ça a l'air très drôle. Et en enfant, je vais prendre l'inventeur, sachant qu'on ne sait pas qui sera le voisin. C'est ça exactement. Et regardez, il y a tellement de skins en plus des pouvoirs. Ok les gens, on est prêts. Donc j'ai pris du coup l'inventeur avec le voisin clown. Qui m'attend mon gars. Qui est tellement stylé quoi. C'est un délire. Et du coup donc on sait pas lequel de nous deux va être le voisin. Alors on limite de temps. Donc on a mis 3 serrures, c'est ça. Au niveau des maps, alors est-ce que tu peux nous faire voir les maps, toutes les maps qui existent? Évidemment. Alors il faut savoir qu'il y a 6 maps en tout. La première qui est donc la maison du voisin.
voilà. The Neighbor Case, donc c'est la classique, hein, sachant qu'il y en a eu beaucoup. Et encore, celle-là, c'est l'une des premières, hein, de l'alpha bêta, tu vois. Voilà, donc ça, c'est la deuxième, dans la deuxième maison, et elle grandit de plus en plus. Hein. Vas-y, tu peux faire défiler. Alors, le corps, voilà. Donc, en fait, à la fin, dans le vrai jeu et le Neighbor, la maison, à la fin, elle est immense, mon gars. Elle est juste immense. Oh, je me rappelle. Okay. Mais attends, mais celle-là, oui, c'est une des premières aussi. Allez, celle-là c'est la plus simple. Et d'ailleurs, okay. Elle me rappelle aussi un petit peu celle de la nouvelle, le Hello Neighbor 2. Ok, ouais, on a le parc d'amusement, excellent. Exactement. Et donc ces 5 maps, c'est une map, les amis, où évidemment il y a un voisin et c'est un enfant. Et il faut aller dans le sous-sol. Et il y a une sixième map. Et c'est un mode de jeu un peu spécial où on doit se battre l'un contre l'autre à coup de lance. Ah mais ça c'est énorme. Alors le combat a toujours eu lieu, hein. C'est enfin voilà. Donc du coup, bah écoute, je te propose qu'on commence avec la base de la base, la première maison, je pense, la première. Okay. Donc on a mis aux 3 serrures au lieu de 6 parce que là on est en un contrat, donc forcément. La limite de temps c'est 15 minutes. Ouais. Ok, tu peux ça, et c'est combien le minimum? C'est 5, hein, je parie. 10 ou 30. On peut même ne pas y avoir de limite. On peut mettre à la limite 10, hein, je pense. Allez, let's go. Eh ben écoute, on va essayer comme ça. C'est une découverte, attention. On lance, c'est parti. Ok. Oh là là. Oh mec, c'est fou, moi que je sois l'enfant ou le voisin, c'est qu'importe. Oh là là, regardez, c'est tellement stylé. Ok les amis, c'est bon. Donc je suis bien arrivé dans mon manoir. Je suis du coup le voisin. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai une lampe torche vu que je peux aussi jouer le rôle d'un enfant. Donc du coup c'est juste énorme quoi. Oh, attends, je vais voir. J'espère que personne ne frappera. Il n'ose pas rentrer. Ok. Bonjour. Ah ouais, carrément, ça tire au loin, je vois des trucs. Okay, très bien. Comment osez-vous rentrer chez moi comme ça, monsieur? Comment osez-vous? Ah, mon visage. Ah. Alors normalement dans la vraie version de Neighbor, le voisin n'a pas le droit de vraiment sortir de chez lui. Donc si tu sors, ça sera ta safe zone, d'accord? Ok. Voilà, je t'autorise parce que je pense que là j'ai le droit. Donc je vais balancer fumigène. Ok, est-ce qu'il... Je ne connais moi même pas ma maison moi-même, donc tu vois plus rien, on est d'accord, hein. Ah si. C'est énorme. C'est énorme. J'entends l'enfuir. Ah. Il est là. Ah, c'est quoi ça? Il est là. J'ai plus la voix. Oh mon dieu. Bonjour. C'est pas lui. Grenade. Non. Ok. Tu vois plus rien, hein. Ça va, je suis cool. Ok. Oh non, j'ai lâché un objet et je voulais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, j'ai des barres. Ah oui, mais c'est vrai que moi je peux jouer aussi comme un enfant. Oh! C'est énorme. C'est énorme de pouvoir jouer le voisin, mec. Ok. Moi je t'entends fouiller. Oh, on vient là! On vient là! Non! Viens là! Fumigène! Viens là! Allez, cours. Ah, il a ouvert une porte. Ok. Oh non, je suis bloqué. C'est que ça. Oh, il y a un bout de... Mais non, déjà. Ah, 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 viens là. Viens là. Non. Viens là. Tiens. Oh, j'ai pu m'enfuir. C'est stressant quand même, hein. Ah, j'ai pas du tout utilisé. Je sais même pas où il est.
Tu me vois courir dans le noir et tout, toi? Non, mais je crois que je t'entends. Oh, il a encore ouvert une porte. Oula! T'as de l'asthme? Oh non! Oh! Ok. Je cherche. Il veut ouvrir cette porte. Ça, c'est la porte. Ça, c'est ma porte à moi, ça. Ah, voilà. J'ai perdu ça, Izen. Ok, je regarde un peu. Mais la maison est immense, hein. Oh, il veut aller là, lui. Il doit être dans le coin, là. Ah. Il est là. Oh, j'ai fermé la porte. Oh non, ça a mal visé. Comment je réouvre ici? Ah, ah. Alors? Alors? Oh non! J'avais trouvé la clé du sous-sol! Oh, bien joué quand même! Oh là là! Oh là là! Mais mec! Eh, franchement, t'as été loin! Wow. T'as été tellement loin, quoi! C'est ouf! Oh là là! Bon, on est de retour en salle d'attente! Oh là là. Moi je vais peut-être pas prendre l'inventaire, je vais peut-être prendre la rebelle, c'est bien la rebelle en fait. Voilà, c'est bon. Oh, prendre la rebelle, ok. Je te laisse. Qu'est-ce qu'on fait, on reste dans la même maison ou on change de maison? On change de maison, ça te dit, on prend la deuxième? Allez. Ouais, non, elle est pas un peu grande celle-là. Ah bah attends, on peut prendre le petit cabanon là. Ah oui, ça c'est bien ça. Et bah c'est parti. Oh là là, non. Je ne sais même pas ce que t'as pris comme voisin. Ah bah ce sera la surprise. Oh non. Non. Oh non, oh non, oh non, non. En vrai, c'était énorme de pouvoir se transformer en objet. Oh, de ouf. Ok. Ok. Tu es l'enfant. Oh non, donc tu peux être le voisin. Donc normalement, voilà, donc là, tu es l'enfant, donc ça veut dire que là, tu es le voisin, donc je peux te laisser te transformer. Alors, t'as pas le droit de venir à l'extérieur, d'accord? Ah bah non, non. Ça marche si... Comment je suis censé me transformer? Attends, ce qui me dit que je peux, mais je peux mais pas faut encore. Que tu sois près de moi, près de moi. Ah oui, ok, ok, ok. Faut que tu sois près de moi. Non, il me propose pas. Ah, peut-être qu'il y a un timer? Moi aussi j'avais ça. Ah voilà, ok. Ok, d'accord, oui, il y a un temps. Très bien, c'est pour laisser le temps aux gens. Ok, donc voici la maison. Très bien. Waouh, mais en fait, elle a complètement changé par rapport à la base. Je vais regarder s'il y a quelqu'un chez lui déjà. Pourquoi tu fais ce bruit là? Bonjour. Y'a des gamins dans mon jardin. Des gamins dans son jardin? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi y'a des bandeaux, genre y'a eu une scène de crime? Non, c'est chez moi ici. Je la vois pas. Oh, ah wow. Tu m'as fait trop peur. Je sais même pas à quoi je ressemble, moi. Bonjour. Nya. Non. Nya. Nya. C'est horrible la musique. Oh. Ok. C'est quoi ça? Bonjour. Ah, j'ai froid d'un coup. C'est pas ouvrir la porte, c'est bon. C'est pas compatible avec toi, je crois, ma patte de baseball. T'as pas un fantôme, ça a jamais vraiment marché. Je peux pas être tapé. Non, c'est pas compatible. C'est pas juste. Ok. Ok, là il me faut un pied de biche. Ah. Alors apparemment, manger des friandises, c'est bon. Hein. Ça permet de, tu sais, te rappelles. Tu peux avoir entends plus de bruit. Pouvoir. Ah, c'est toi ça. Bonjour. Sortez ma maison! Mais mets la lanterne! Non! Oh, je suis à l'extérieur, je suis à l'extérieur! On veut pas de vos cookies, ni de vos gâteaux, ni rien du tout! Attention, hein. J'ai une citrouille! Hein. Attends, je veux juste essayer un truc! Bouge pas! Ah, je peux quand même te taper, c'est bon signe! C'est bon! Bien.
Oh. Il peut passer à travers les murs, mais c'est horrible. On peut péter les vitres, rassure-moi, comme dans le... Oui. On peut péter les vitres comme dans le jeu. C'est quoi ça? C'est de la thune pour... Pour du bruit. Mais attends, mais je suis pas un exorciste, hein, moi. Il est où? Il y a quelqu'un? Quoi ça? Ok. Oh! Coco! Je crois que j'ai mis un truc qui colle au sol. Ah, bien joué! J'ai mis un truc. Glu. Alors, comme ça, on essaie de m'envoyer des trucs dessus! Oh, oh. Oh, je vais t'attraper! Non! J'ai la mort! Ah bah, je passe ton temps en re... Oh! Quoi? Oh, c'est bon! Oh, j'ai utilisé mon ulti! Aïe 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 aïe! J'ai utilisé mon ulti! Aïe 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 aïe! Qu'est-ce que c'est que ça? Il va en avoir besoin, ce petit gamin! Ok. C'est horrible! Je vois des objets qui volent. Merci. Wow. Quoi? Non. Mais mec, le fantôme, il est horrible. Il est horrible parce que là, la maison, en fait, le fait qu'elle soit plus petite, c'est encore pire parce que du coup, je te croise tout le temps. Oh, oh mec. Pourtant, j'allais, mais je me suis même planqué à un endroit à côté de la carte. Oh et là tout. Là, le fou. Moi, en vrai, je vais prendre, je vais garder la rebelle. Elle est vraiment cool, mais ouais. Je vais changer de voisin et je vais prendre le boucher. Ok. Voilà. Et toi, tu connais pas le voisin de base, il me semble. Non. Donc, non, on peut rester dans cette maison. Ok, les amis, c'est bon. Je peux prendre l'apparence du voisin. Donc, je te laisse ça. Je n'aurais pas besoin. Oh, quoi que, peut-être, je vais peut-être la prendre. Allez. laissez-moi 2 minutes. Ah oui, attends. Faut que je puisse me transformer avant. Alors, on va voir. Ok. Pour l'instant, on est passé. D'accord, donc ça fait déjà le tour du proprio. Alors, bah, je peux pas être encore voisin. Okay. Pour le moment. C'est bon. On aura peut-être besoin de ça. Tour. Je crois qu'en plus les clés j'ai sont tout lâché. Les clés sont jamais au même endroit, je crois en plus. Pour ouais, ouais, pas en formation. Bon. Ok, donc là c'est ma porte finale. Il est où lui? Je vois pas. Moi je t'entends. Okay. Ah! Oh, je l'entends. Aïe. J'espère qu'il y a personne qui veut aussi s'infiltrer chez moi. Ok, pour l'instant, il n'est pas encore rentré chez moi. Il y a plein d'objets ici. Hein. Il est à l'extérieur, il est dans le jardin. Ok, c'est bon, je sais aussi. Merci, corbeau. Oh, je l'entends. Ok. Passer par là. Comment tu faisais pour casser Faut pas lancer un objet. Ah, ok. Quoi? J'entends la musique. Hé, hey, gamin! Tu sais combien ça coûte de réparer une vitre? Ah. Je suis étourdi. Mais je sais ce que je suis là. Je veux plus rien. Ok, très bien. C'est pour ça que t'as perdu autant de temps, t'étais en train de charger ton ulti. Ah non, pas du tout. Et me voilà. Ok. Oh. La maison est immense. Ok.
La maison est bien plus immense que je l'imaginais. En fait, il y a plein de passages, c'est trop bien. Okay. Ah ouais! Oh, mais c'est hyper grand! Oh! Waouh, mais c'est super grand, les gens! Moi, ça me permet de découvrir les maisons, surtout. Mais what? Ah! Okay, pour l'instant, tant qu'il a pas ouvert cette porte-là, on est tranquille. Moi-même, je peux pas ouvrir mes portes. Donc là, pour l'instant, moi, je reste là, très bien. En fait, je me suis réveillé dans ma... dans ma salle de caméra, c'est ouf. Ah ouais? Ah, stylé! Ouais. Mince. Oh, le grappin, c'est ouf! Mais non. Ah, toi! Ah oh! Et là! Non! Ramène-toi tout de suite! Ah! Nya! Nya! Viens là! Je crois que je t'ai touché, on dirait bien. Nya! Oh oui! Nya! Viens là! Ah non, quoi? Ça bloque ici! Ok. Ah! T'as de la chance que je peux pas sortir dehors. La taille, la... Oh là là là. J'ai fermé la porte. Ok. Qu'est-ce que je peux utiliser, les amis? Quoi? Ok. Je t'entends. Et toi là? Tout de suite, moi, t'es dans le jardin. Et Corbeau, c'est toi? Oui, c'est moi les corbeaux. Je suis le boucher. Oh! 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 Je t'ai attrapé! Oh! Je t'ai attrapé tellement loin! Oh là là! Et te voilà transformé en papier! Wow. Je t'ai attrapé tellement loin, mec! Oh là. Vache. Oh là là! Ah, j'avais le deuxième passe déjà. Et oh là là! Non mais c'est hyper chaud. En vrai, c'est vraiment hyper chaud. Tiens, attention! Oh là là là. Allez, tu peux remettre la première maison. Mais en fait, les maisons sont tellement grandes. Oui, je sais, les amis. Normalement, on doit être plusieurs, mais on voulait absolument rester contre nous parce que là, ça aurait été un délire au niveau micro. Mais et ça se trouve, on n'aurait même pas su ce qui se passait, tu sais. Mais c'est tellement énorme, mec! De ouf. Ok. Ah, t'as le temps de changer de voisin ou pas du tout? Ouais. J'ai pris le classique, moi je l'ai jamais le joué. Le classique. Mais en plus, je crois qu'il a des. Bah, il a des pièges à loups qui sont horribles. Ok. Très bien. Donc, je suis l'enfant. Donc, j'imagine que. Bonjour. reste là, je vais voir s'il y a quelqu'un. Je te dis s'il y a quelqu'un. D'accord, ça roule. Ok, à plus. Fais attention, la maison est vraiment grande quand même, non? Il y a vraiment personne. T'es sûr? Ok, d'accord. Bon, bah, moi ça me rassure. Hein. Oh. Ah ouais, tu peux vraiment faire des trucs. Oh là là. Ouais. Waouh! Ah oui! Évidemment! Ah! Bonjour! Bonjour, c'est quoi toute cette lumière? Je suis dans votre jardin, vous n'avez pas le droit, monsieur! Oh non, il a posé un piège à loup juste devant! Est-ce que ça marche si je fais ça? Oh, c'est bon! Oh! Ça se voit que je joue à Hello Neighbor! Oh! Ok! Mais attends, mais ça veut dire que je peux faire ça? Ça veut dire quoi, tu peux faire ça? What? Ah! J'ai entendu une porte s'ouvrir. Il est dans la maison. Ah! Oh! Ah ouais, c'est gigantesque! Fais pas un bruit. J'entends. Je peux partir. Ok. Un peu haut là, non? Ah, il doit être sur le toit. Il
non, papy, tu te fais vieux, tu t'essouffles vite. Va bien falloir finir par rentrer, hein. Je sais, je sais. What? Je peux pas les ouvrir si c'est pas ouvert. Je m'en fous. Avec la maison immense. Ah! Y'a quelqu'un? Ah, y avait rien du tout ici. J'aime pas la musique. En torche. Oh, y'a sa voiture. Oh. Ah, d'accord, moi je peux faire ça, ok. C'est horrible. Mhm. Oh. What? Bonjour. La musique elle est horrible. Ok, mais moi je peux faire ça là. Là je vais s'allumer la lumière, non. Je le savais. Je le savais. Oh. Bonjour. Oh non. C'est là que je venais. Finir par passer. Oh! 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 Non, 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 non. Non mais dis donc. Oh oui. Oh. Ça j'ai de... Mais je crois que j'ai plus de force que toi, non? N'importe quoi. T'es en train de me... Attends, ah mais tu peux me tuer en fait. Je peux être victime. Non mais au bout d'un moment j'ai plus de vie moi. Et du coup en fait tu m'attendais dans ta salle de caméra. Et... Ah le fusil, c'est pour ça que c'est si efficace. Ma citrouille. Ça je passe trop. Oh, bien joué. Oh, y'a un moment... Oh oui. Oh. Ah. Tiens. Oui. Oh, c'est pas si comme ça. Oh oui. Aïe. J'ai si mal. Oula. Oh bah alors. Mais en fait, quand tu utilises le pouvoir pour te transformer en enfant, ça te met en... Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais je suis en enfant là. Oui. Voilà. Voilà. Ça a déménagement. Alors. Oh.
Pourquoi j'éternue? Est-ce que t'es malade, grand-père? Ouvrez cette porte. Oh. 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 Oui. Allez. Oh non. On voit rien du tout. Oh là là. On s'est passé à côté, non? Ok. Oh oh! T'as plus que 20 secondes! Oh, dommage! Je suis si près du but! Allez, allez, allez! Oh! Non, 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 non! Non! Toi aussi t'avais trouvé la clé du sous-sol? Oui. Oh, oh là, là. J'étais tellement loin. GG. Oh merci quand même. C'était ouf. Non mais tu vois clairement que par contre c'est fait pour être joué à c'est 1 fait pour être joué à je sais pas combien. Oh là là. Mais c'était énorme hein, je trouve hein. Ouais, franchement c'était énorme stylé. De le tester. C'était méga stylé. Et attends, est-ce que tu peux lancer pour le fun le cirque? Juste pour voir, tu sais, je voulais voir à quoi ressemblait le cirque. Vois un petit peu le... Mais en gros, moi, tu pensais que les maisons, genre, elles étaient toutes petites. Mais mec, dans le vrai jeu, elles sont trop petites, en fait, à côté de ça. Oh là là. C'est ouf, parce qu'on aura vu, bah écoutez, quelques capacités. Ok, je suis le voisin, très bien. Wouah, c'est énorme. Oh, on dirait trop le parc d'attractions qu'il y avait avec le corbeau, vous vous souvenez, qui nous suivait là dans le... Il y avait un neighbor, justement, comme ça. Oh mec. Quoi? C'est clairement le niveau, regarde, tu vois ça, clown. Oh là là là. Là, tu te rends compte qu'il y a 4 serrures là? Ah ouais. Donc en gros, il te faut 4 cartes. Et ça peut aller jusqu'à 5. Hein. Ouais, même 6, j'ai vu, je crois. Non, mais c'est même choix. Même à 4, ça va être méga chaud. Parce que t'as qu'une seule chance. Hein. C'est comme DBD en fait. Si vous connaissez un DBD, Dead by Daylight. En gros, vous faites choper, vous êtes mort. En fait, non, ça dépend. Tu peux choisir que les. Wouah! Tu peux choisir de ressusciter. Ah d'accord. Ouais mais même ressusciter je pense que c'est chaud. C'est méga chaud. Parce que tu peux te faire tellement attraper, t'imagines même pas. Oh là là, c'est un truc de malade. Ouais, peut lancer les tomates du coup. Voilà. Eh ben écoutez les amis, dans tous les cas, on va du coup s'arrêter là pour la découverte de ce fameux Secret Neighbor. Voilà. On a été tellement loin dans l'aventure. On espère en tout cas que ça vous aura plu. Je t'invite au Space à me rejoindre. Balance-moi des lampes, t'as raison. Non, mais viens. Ah, non. Du coup, moi, ça dévoile. Attends, c'est quoi? Ouais, c'est ça en fait, ça dévoile des trucs. Là-dedans, t'as quoi? Ça se trouve, ça bouge les clés, je crois. Faut que je recomprenne le délire du truc, mais le corbeau, c'est. Non, ça indique un indice. Parce que normalement, le corbeau, ça monte la clé. Et en fait, là, c'est une fausse clé. Tu vas là-bas, y a pas de clé. Ah, c'est ouf. Donc, du coup, je t'indique une fausse clé, quoi. Ouais. Ah, c'est abusé. Bah, écoutez, les amis, on espère. Quand même que ça vous aura extrêmement plu depuis le temps qu'il était demandé. On essaiera de ces quatre de le faire avec d'autres joueurs. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa, j'ai envie de dire. On peut ouvrir la porte et fermer la porte. Je crois qu'il y a que toi qui peux faire ça. Oh, c'est une porte secrète.
Ouais. Incroyable, incroyable. Bah voilà, je vais me mettre dans mon canapé. Et bah les amis, on vous invite bien sûr. Oh, il y a un sonar. Non mais mec, c'est abusé, je peux te voir. Non mais regardez ça. C'est complètement abusé. Ça aurait été, même en revivant, ça aurait été impossible. Ça aurait été... Là, je vois que t'es... Je sais exactement où t'es. Ouais, bah ouais. Donc voilà, donc là, t'es tout à gauche, quoi. En tout cas, les amis, on vous invite, comme je le disais, à lâcher un maximum de likes. N'oubliez pas, bien sûr, d'aller voir les deux points de vue qui sont totalement différents. On vous demande de lâcher vraiment un maximum de likes pour ce jeu tellement demandé, de vous abonner, bien sûr, de chaîne. En tout cas, merci à tous, c'est votre jumper. Et on va respect si on vous souhaite un joyeux Halloween. Ciao, les amis.